Bon, alors maintenant, l'autre qui arrive, c'est un gars que j'aime parce que elle a quatre pieds. La quatre pieds, un être humain normal de lui, il a que quatre. Non, c'est pas bon. Mais t'as pas mal aidé le micro. On applaudit Pointo, tonton Pointo. Merci, Pointo. Pas le nom. C'est bon. Ça va? Le Shabbat. Oh, ceux qui ont l'argent, on vous voit. Ceux qui n'ont pas aussi l'argent, on vous voit. Les garçons là aussi. Le rôle des hommes, c'est de dépenser, non? Le rôle de l'engard, c'est de manger, boire. On va faire comment? Mais j'espère que quand l'engard mange, boit, elle-même, elle est sûre de ce qu'il attend après, non? Ok. Ça va? L'autre jour, je passais à Ndokoti, non? Voilà une femme qui est en train d'appeler son mari. Je dis, hey, chérie, tu m'as dit que à 12 heures, non? 12 heures devient 22 heures. Chérie, tu es fou? Hein? Je dis, hey, tu es fou? En demandant, tu es fou? Comme ça, il y avait un fou couché au sol là. Quand elle a encore dit, chérie, tu es fou? Le fou là s'est levé. Il a giflé la femme là, bang! Je dis, hey, quand vous faites vos bêtises là, enlevez mon nom dedans, vous avez compris? Comme Jacob disait que notre métier, ce n'est pas différent d'un fou, non? De la folie, non? Le travail que les gens sont assis, c'est toi qui bavardes et ris. Ça énerve, gars. Voilà. Je vais alors vous dire. L'autre jour, je passais à Bonanjo. On a arrêté les fous, hein. On a arrêté plus de 50 fous, hein. On les a mis dans un camion. Pendant que moi, je cherchais à me cacher quelque part. Voilà aussi un mécanicien qui vient passer là, on a arrêté les fous. Et les habits du mécanicien là étaient trop sales. Mais ça, on lui a aussi confondu à un fou. On l'a arrêté, lancé dans la voiture des fous. Au lieu que le mécanicien reste calme, il se met à crier dans les oreilles des fous. Laissez-moi, je ne suis pas fou. Je suis mécanicien, mon garage est là-bas. J'ai dit que je ne suis pas fou, je suis mécanicien, mon garage est là-bas. Ça tensionnait les fous, hein. Le gars a crié dans les oreilles d'un papa qui avait trop duré dans la folie. Le père là s'est d'abord levé, lui regardé. Il lui a dit, j'ai dit, hey, petit. Pourquoi nous tous on est calme, ce n'est que toi seul qui as agité. Tu crois que c'est toi le seul malade qu'on a mis dans cette voiture? Si on t'a arrêté, tu ne peux pas supporter. Le gars a répondu au père là, c'est parce que je ne suis pas fou comme vous. Moi j'ai là-bas. Le père là lui a regardé, il lui a dit, petit, si on t'a arrêté, supporte. Parce que même moi-même qui est devant toi, le jour que ma part même commençait, je disais toujours que je ne suis pas fou. C'est maintenant que je suis en train de comprendre que j'étais dans mes débuts. Donc ça peut aussi être que tu es dans tes débuts sans connaître. Est-ce que ça va? Il y a certains fous qui ne connaissent pas qu'il est fou. Hein? Surtout quand la folie est au début, là, le gars ne connaît pas qu'il est fou. Hein? C'est quand il commence déjà à marcher en comptant 1, 2, 3, 4. Lui-même, il sait ce qu'il voit là-bas avant de conclure. Je vous reviens bientôt. Merci. Pointo. Je vous reviens bientôt. Pointo. Donc, un foutu. Le gars l'attaque, hein. Comme vous avez pitié, lui, comme ça. Il attaque. Il
Libère a bagarré là-bas avec tout le monde. Les gens ont dit que Libère, il ne sort pas, Yacob. Il attaque. Vous croyez que même Chaboyé, ça aurait été fou? Pour qu'il soit que. C'est un pointo. Vous ne pouvez pas voir un humoriste. Je suis le seul humoriste camerounais qui ne consomme pas l'alcool. Hein? Non, non. Je veux dire qu'il ne consomme pas exagérément, quoi. Si quelqu'un comme moi, si je peux prendre 12, 15 bières par jour, c'est pas grave. C'est grave. 15 bières. Et Cassero qui boit un bar là, vous faites comment?